Today is a great theme. Parce que la Bible dit que l'amour, because Bible says love, ou la charité, or charity, est le plus grand de tous les commandements. Is the greatest of all commandments. Alléluia. Amen. L'amour est le plus grand de tous les commandements. Love is the biggest commandment. Si quelqu'un dit, if somebody says, que Jésus est avec lui. Jesus is with him. La première des choses qui doit refléter l'image de cette personne. The first thing to reflect the image of the person. C'est l'amour. Is love. Avant toute chose. Above everything. Parce que les différentes choses que nous pouvons faire dans la maison de Dieu. Different things we can do in the house of God. S'il n'y a pas l'amour comme appui. If there is no love on the base. Dieu ne considère pas ces choses. God cannot take it serious. Gloire à Dieu. Glory be to God. Il a dit dans 1 Corinthiens. He said in 1 Corinthians. Que si je prophétise. If I prophesy. Si même j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Even I have faith who can move mountains. Et que l'amour de Dieu n'est pas en moi. And the love of God is not in me. Tout ce que je fais est zéro. What I'm doing is nothing. Alléluia. Amen. Ce matin, l'amour de Dieu est bon pour this toi. This morning, the love of God is good for you and me. L'amour de Dieu est bon pour the votre famille. The love of God is good for a family. L'amour de Dieu est bon pour the un foyer. The love of God is good for a home. L'amour de Dieu est the bon pour un groupe. Of God is good for pour a une communauté. Group, for a community. Gloire à Dieu. Glory be to God. Dans mes différentes recherches, in the different searching, j'ai vu trois and I saw three types of love. Il y a un amour qu'on appelle one love, filial. Filial love. Je rappelle que ces mots sont des mots grecs. Hein, they are Greek words, so don't be afraid. L'amour filial. The filial love. On le voit souvent dans. We can see it. Sometimes dans nos relations amicales. Our relationship, friendship relations. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a des amis? Do tu as des amis? Friends? Vous avez des amis? Do you have voilà. Friends? Au travail, on peut avoir des amis. At your workplace, you can have friends. Il y a un sentiment qui est entre vous. So a feelings between you. Qui est un sentiment réciproque. A reciprocal feeling. Ça c'est l'amour filial. This is the filial love. Mais il peut arriver que si le sentiment n'est pas réciproque, feeling is not the same, cet amour n'existe plus. Hein. No more love.
On a aussi l'amour eros. We have the love eros. Qui est l'amour qui recherche searching le désir charnel. The carnal desire. Vous savez de quoi je parle, hein? Do you know what I'm talking Est-ce about? Que tout le monde me comprend? Do somebody understand something? Et le dernier, c'est l'amour agapé. The last one, the agape love. L'amour agapé, c'est the agape love is c'est un désir is the desire qui veut le bonheur de l'autre. Who want the goodness of others. Sans attendre quelque chose en retour. Without waiting for something back. Alléluia. Amen. Sans attendre quelque Without chose en waiting retour. For something back. Et c'est ce dernier là. And this last one que je veux développer ce matin. I want to develop this morning. Dans cette salle. In this place, il y a des personnes. We have persons qui ont l'amour de Dieu déjà en elles. Having loving of God in them. Mais qui ont besoin. But they need d'encouragement. To be encouraged. De prière. Prayer. Pour que cet amour-là puisse grandir. So that their love can grow up. Il y en a d'autres aussi qui n'ont rien dans le Some cœur. Don't have anything in their heart. On peut trouver peut-être l'amour filial. You can find filial l'amour love. L'amour eros. The eros mais love. Mais jamais, jamais l'amour agapé dans les cœurs. Never agape love. Ce matin aussi, on peut aider ces personnes. This morning, we can help those persons. Donc le thème que je vous propose ce matin. So the theme I'm going to propose to you this morning. Je l'ai intitulé l'amour. I've titled the love. Fruit de l'esprit. Follow with the spirit. Amen. Amen. Vous voyez, do you know, si nous voulons parler de ce dernier amour, if you want to talk about this last love, qui est l'amour agapé, whose agape love, prenons Romains 5, verset 5, let's take the book of Romans 5, voir d'abord le premier problème qu'il faut résoudre, Romains 5, verset 5, Romans 5, je vous ai dit qu'il y a trois sortes d'amour, filial, eros, agapé, and agape. Ce qui nous concerne ce matin, concerning us this morning, c'est l'amour agapé, the love agapé, l'amour de Dieu, the love of God, aimé comme Dieu, love like God. Mais il y a un problème qu'il faut régler. But there is a problem you have to settle. Romains 5, verset 5. Romans 5, 5. Allons-y. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. 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 Pour que l'amour de Dieu soit dans ton cœur, For the love of God to be in your heart, il faut que le Saint-Esprit te soit donné d'abord. The Holy Ghost has to be given to you. C'est pourquoi le monde That's why the word ne peut pas définir cannot define l'amour de Dieu. The love of God. Le monde peut parler de l'amour filial. The love can talk about filial love. L'amour eros. The eros love. Mais pas l'amour agapé. Not the love agape. Parce que pour parler de cet amour, because to talk about this il faut love, résoudre un problème. You have to settle a problem. Le problème du Saint-Esprit. The problem of the Holy Ghost. Parce que because l'amour agapé the love agape demande que ask that quand on te gifle when the slap sur la joue droite on the right il faut donner la joue gauche you must give the left one entre temps sans But, le dire dans la bouche without saying it in mouth alléluia amen mais sur le terrain But on the c'est tout autre chose it's another thing donc il faut régler d'abord la question du Saint-Esprit settle the matter of the Holy Ghost. L'amour de Dieu voudrait que the love of God wants us to, quand on marche sur ton pied when they step on your foot, tu ne dis rien. You don't say anything. Comment vous allez faire? How to do? L'amour de Dieu the voudrait que the love of God wants us to, quand on te poignarde dans le dos when they point you in tu the sois back, capable d'étendre encore la main pour dire je me réconcilie avec your vous. Hand to say you are with the person. Gloire à Dieu. Glory be to God. Est-ce que ça, on peut trouver ça dans ton Can quotidien? Can you find it in your daily time? Est-ce qu'on peut trouver ça chez vous? Can they find it in you, with you? Donc c'est le problème du Saint-Esprit qu'il faut régler. So it's the problem of the Holy Ghost we must settle. Parce que quand le Saint-Esprit va entrer en toi, when the Holy Ghost will enter il va you, fusionner avec ton esprit. You will be in one accord with your il spirit. Va faire un avec ton esprit. You will be one with your spirit. Il va enlever l'ancien cœur là. He will remove the old heart. Et puis te donner un nouveau cœur. And give a new heart to c'est you. C'est le nouveau cœur là qui peut aimer. So the new heart can love. C'est le nouveau cœur qui peut pardonner. The new heart can forgive. Sinon, if not. Nous, oui, être humain, human being, l'amour de Dieu ne connaît pas. We don't know the love of God.
Alléluia. L'amour de Dieu voudrait que. The love of God wants us to. Même quand tu sais. Even you know. Que les gens parlent dans ton dos. People gossiping behind you. Tu sois même capable de les approcher toujours. You can be able to approach them. Mais aujourd'hui. But today. Il y a des personnes. We have persons. Qui ont leur place dans l'église. Having their place in the church. Alléluia. Amen. Si on te proposait d'aller t'asseoir, if they propose to sit down, à côté de X, near X, tu vas serrer le visage. You tie your face. Souvent tu vas dire que sometimes you say that l'onction de Dieu n'est pas là-bas. The anointing of God is not there. Ce n'est pas le mot que tu voulais dire. It's not the word you want to mention. Tu voulais simplement dire que cette personne-là, j'aime pas sa tête. I don't like the sinon, head l'onction de Dieu est partout. Anointing of God is everywhere. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour cet amour? Are you ready for this love? On dit voici un groupe de personnes que tu vois là-bas. This is a group of persons over there. Parle mal de toi. They are gossiping against you. Et puis l'amour de Dieu dit que quand tu le vois, il faut les saluer. The love of God says if you meet them, just greet them. Saluer sans hypocrisie, hein? Greet without hypocrisy. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. I want to tell somebody this morning. Si l'amour dont nous voulons parler ce matin, if the love we want to talk about this morning, n'est pas à l'image de la croix de Jésus, at the image of Jesus, n'en parlons pas. Don't talk about it. Parce que la croix de Jésus, because the cross of Jesus, en même temps qu'elle est verticale, as she's vertical, elle est aussi horizontale. She's horizontal too. C'est-à-dire que to say that, ce amour-là, this love, c'est vrai, is true, il te met en contact avec Dieu. You in contact with God, il y a des personnes qu'on peut retrouver dans l'église. Some persons they can find in the church. Tu es d'accord avec l'église, tout le monde. You are in one accord with the church. Tu ris ici. You smile here. Tu es content ici. You are happy here. Mais quand tu vas à la maison, when you go back home, ta relation, your relationship avec tes frères et sœurs, with your brother and sisters, ça n'a rien à voir à l'amour. Don't have nothing with love. Il y a des gens qui sont dans cette salle. Some are in this place. Qui se sont levés à 4 du matin. Woke up 4 o'clock a.m. 5 heures du matin. 5 o'clock a.m. 7 heures du matin. 7 o'clock a.m. On a couru pour venir ici. To come in this place. Alors qu'on ne parle pas avec quelqu'un qui est à la maison. You cannot speak to somebody at home. Tu as ta soeur. You have your sister. Tu as ton frère. You have your brother. Même sang. Same blood. Si tu ne parles pas avec cette personne, if you cannot discuss je ne with pense the pas person, que tu pourras développer le véritable amour dans l'église. I don't think that you can develop real love in the church. Gloire à Dieu. Glory be to God. La croix de Jésus n'est pas seulement verticale. The cross of Jesus is not only vertical. Ce n'est pas seulement s'accorder avec ceux avec qui on chante ou ceux avec qui singers, en même quand on chante même ensemble, souvent il y a des questions dedans. We sing together, but some grudge in their minds. Mais dans l'amour de Dieu là, but in the love of God, il y a ta famille aussi dedans. Your family inside. Si tu les aimes pas, if you don't love them. Je ne pense pas que tu développes l'amour de Dieu. I don't think that you develop love of God in your life. Gloire à Dieu. Glory be to God. Voici l'écriture de la parole de Dieu que souvent the scripture of the word of God nous prenons pas en considération. We don't take serious. Mais qui agit sur nous. But having place on us. Il dit si vous faites votre offrande. He said if you want to make your offering. Vous vous rappelez. And you remind yourself. Que vous êtes en palabre avec quelqu'un. You are in grudge with somebody. Dépose ton offrande. Put your offering down. Va te réconcilier. Go and make peace. Et puis viens faire ton offrande. And come and do your offering. Gloire à Dieu. Glory be to God. Ça veut dire que to say that tant que tu vas rester en palabre, as you be in grudge avec autrui, with somebody, avec ton prochain, with your neighbor, même si c'est toi qui as raison, even you, Dieu n'accepte pas ton offrande. Right? God will not accept your offering. Et si Dieu n'accepte pas ton offrande, and if God didn't accept your offering, je ne pense pas qu'il va accepter ta prière. I don't think that he will accept your prayer. Je ne pense pas qu'il va accepter ton adoration. I don't think that he will accept your adoration. Je ne pense pas qu'il va accepter ta prière. I don't think that he will accept your praises. Si vous avez des routes, if you have ways, sur laquelle vous passez, on where you used to et d'autres step où on, vous ne passez pas, and some roads you cannot take, l'amour de Dieu ne nous a pas encore touché. The love of God didn't touch us yet. Alléluia. Amen. Ce matin, faut te rappeler. This morning, remind. Est-ce que tu as la paix avec tout le monde? Do you have peace with everybody?
Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la paix? Do you have peace with everybody? Est-ce que tu tends la main à tout le monde? Do you stretch hand to everybody? L'amour de Dieu. The love of God. Ne salue pas un groupe de personnes. Don't greet a group of persons and leave the other group of persons. L'amour de Dieu salue tout the le monde. The love of God greet everybody. Gloire à Dieu. Glory be to God. Si vous voulez parler de cet amour, if you want to talk about this love, voici ses conditions. This is the condition. Et comme cela, vous allez avoir aussi votre récompense. And you have your reward too. Gloire à Dieu. Glory be to God. Dans cette salle, in this place, si même il y a des personnes en haut ou en bas, if you have persons up and down, personne ne pourra justifier. Nobody can justify le fait qu'il ne parle pas. The fact that he's not speaking with somebody. Parce que Jésus va vous poser la question. Because Jesus will ask a question one day. Quand je quittais le ciel, when I was leaving heavens, pour venir mourir sur la terre, to come and die on the cross for you, qui parmi vous était bon? Who among you was good? Qui parmi vous avait raison? Who among you was right? Personne. Nobody. Mais je n'ai pas regardé ça. I didn't look at it. Je suis venu quand même. I come. Moi, je suis juste, mais je suis venu pour vous les injustes. I come for the unjust. Et c'est cet exemple que je vous ai laissé. This simple I left to you. Vous savez, moi, ma grande force. Do you know my great strength? Ce n'est pas seulement la prière. It's not only prayer. Voilà. Vous m'entendez? Vas-y, on va gérer ça. Comme je disais, like I was saying, ma grande force, ce n'est pas seulement la prière. My great strength is not only prayer. Ce n'est pas seulement le jeûne. It's not only fasting. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi l'amour. It's also love. Amen. Amen. C'est aussi l'amour. It's also love. Regardez, l'amour, l'amour, ce n'est pas seulement love, not only donner l'argent à quelqu'un. Give money to somebody. Gloire à Dieu. Amen. Bien vrai que real that dans l'amour, in love, on peut aussi trouver ce genre de gestes. We can find this kind of action. Mais l'amour, c'est d'abord donner son âme. But love is first giving the soul. Amen. Parce que si je ne t'ai pas donné mon âme, because if I didn't give my soul, je peux te donner l'argent aujourd'hui. I can give you money today. Et puis demain dans les rues de Port Wayne, te dénigrer. In the street of Port Wayne, spoil your name. Alors que si je te donne mon âme, but if I give my soul to je me dis qu'en te dénigrant, by spoiling your name, c'est moi-même mon âme que je suis en train de dénigrer. I'm spoiling my own soul. Gloire à Dieu. Amen. L'amour dont nous voulons parler ce matin, the love we want to talk about this morning, doit être à mesure de régler beaucoup de choses de notre vie. To be at measure to settle a lot of things. Tu sens que you feel that y a des gens qui t'ont trahi. Person betray you. La nature humaine, human nature want de la même manière qu'ils t'ont trahi là. The same way they betray you. Toi aussi faut les trahir comme you ça. You too betray them too. Mais quand l'amour de Dieu, but when the love of God viens au contact de ton cœur, come in contact of your heart, tu ne raisonnes plus comme cela. You don't have this kind of reason. Tu penses autrement. You think another way. Le combat spirituel là, the spiritual warfare, ce n'est pas seulement le crier. It's not only to be shouting. Ce n'est pas seulement quand on balance les mains de gauche à droite. Right or left. Ce n'est pas seulement quand on it's prend le pied pour piétiner le sol. Your foot to just ground the ground. Il y a un combat spirituel qui ne fait pas de bruit. A spiritual warfare don't make noise. Il dit quand tu aimes ton ennemi, when you love your enemy, c'est comme du feu que tu mets sur like fire you are putting on his head. Ça n'a pas fait de bruit. It didn't make mais ça a eu un grand effet. But it have effect. Je vais te donner un secret ce matin. Let me give you a secret this morning. Si tu en parles avec une personne, if you are in rush with somebody, si tu as vraiment l'esprit de Dieu, you have the spirit of God. Si tu maudis cette personne, if you curse the person, ta malédiction devient bénédiction pour elle. The bondage become blessing for her. Alléluia. Amen. Alors que, but si tu la bénis, you bless the person, c'est du feu pour que tu augmentes sur sa tête. Fire you increase on the person's head. Alors que la nature humaine, nature, human nature,
voudrait que wants that quand on te fait du mal, when they do evil to you, you to do evil to the person. Mais si tu veux que ton combat porte if plus, you want your battle to go forward, fais le bien à ceux qui te font le mal. Do good to evil to you. À l'intérieur du bien que tu as fait là, in the bad, the good you do, il y a une puce que tu as mis là dedans. There is a puce God put inside. Il ne sait pas. He don't know. Ou bien elle ne sait pas. She don't know. Pour elle ou bien pour lui. For her or for him. Ils ont vaincu. They overcome you. Ou bien. Or maybe. Tu as honte. You have shame. Ou bien tu es trop faible. Or maybe you are too soft. Ou bien tu ne connais rien. Or maybe you don't know anything. Ce n'est pas parce que tu es trop faible. It's not because you are too soft or you don't know anything. Mais la personne elle ne sait pas qu'elle est en danger. The person don't know is in danger. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says. Autant de fois. A lot of time as. Que tu peux faire le bien. You can do good. Fais le bien. Do good. Gloire à Dieu. Glory be to God. Fais le bien. Do good. Moi personnellement, j'aime pas prêter les habits aux gens. Personally, I don't like to borrow dress to people. J'aime plutôt donner. I like to give. Parce que même dans le prêt des habits, tu peux avoir transfert d'esprit sans que tu le saches. Donc, je n'aime pas prêter les habits. To somebody and take it back, you can take spirits. J'aime donner. I don't like to give and take it back. Si tu peux habiller quelqu'un, I just give. If you can dress somebody, habille la personne. Clothe the person. Mais sans rien attendre. Without waiting for something back. Je voudrais dire ce matin. I want to tell you this morning. Aux couples qui sont dans cette salle. To the couple in ou à tous ceux qui m'écoutent. Or those hearing me. Si vous voulez. If you want. Que votre foyer your home dure. Delay. C'est vrai que je n'en ai pas un de façon particulière parce que je n'ai pas encore franchi le sein de la mairie. Mais moi je pense que la mairie, les choses, ce sont les formalités. Si Dieu t'a marié dans le ciel, tu es déjà dans le foyer. Et les choses vont descendre maintenant sur la terre. Si tu veux que ton foyer dure, you want your home to delay. La femme que tu vois à côté de toi. Or the woman by your side. Ou bien l'homme que tu vois à côté de or toi. Or the man by your side. Faut le voir comme ton frère dans la foi. See him like your brother in faith. Faut le voir comme ta, faut la voir comme ta sœur dans la foi. So her like your sister in the faith. Alléluia. Amen. Faut voir la personne comme cela. See the person so. Pour que tu puisses savoir so that you can know que avant que vous ne parliez d'amour qui va vous love, permettre de faire des enfants, you to have vous devez parler de l'amour de Dieu qui vous a vu. Gloire à Dieu. Glory be to God. De sorte à ce que so that, même si elle a cassé ta télévision, even you break the TV, tu sois aussi à mesure de lui pardonner. You can forgive her too. Mais pas de la dénigrer. Not to just spoil your name. Parce que nous sommes avant tout des frères. Before everything, we are brothers and sisters. Gloire à Dieu. Glory be to God. Nous sommes tous. We are all brothers and sisters. Il y a une chose qui est évidente. One thing is evident. On ne peut pas porter le fardeau de tout le monde sur les épaules d'une seule personne. The trouble of everybody on the ça, c'est évident. Shoulder of each person. Une seule personne. Only one person. Cannot tout le monde en même temps. Everybody wants. Mais il y a une question que tu dois te poser chaque fois. So there is a question you have to ask yourself. Est-ce que la personne qui est en face de moi, the person facing je peux faire quelque chose pour elle? I do something for her. Alléluia. Amen. La chose que tu dois faire, peut-être qu'il attend l'argent. You can do maybe he's expecting money. Mais tu n'as pas l'argent. You don't have money. Par contre, tu peux donner un conseil you can give an advice, qui va le mettre sur la voie pour avoir cet argent. The person on the way to get money. J'ai donné ou j'ai pas donné. J'ai donné. I give. Gloire à Dieu. Glory be to God. Si l'amour de Dieu if the love of God est dans ton cœur, is in your heart, sorcier ne peut pas pencher ton bras. Change your hands. Alléluia. Amen. Parce que s'il penche ton because bras, if you turn your hands, autant tu auras mal, Jésus aussi aura mal. As you feel pain, Jesus will feel the pain. Entre temps, Jésus ne veut pas avoir mal. Jesus don't want to feel the pains. Qu'est-ce que c'est va le pencher le bras de Jésus? Which wizard will turn the head of Jesus? Alléluia. Amen. Ce matin, il faut laisser cet amour-là rentrer dans ton cœur. Leave this God love enter your heart. Accepte aujourd'hui. Accept today. Gloire à Dieu.
Glory be to God. C'est vrai que souvent, on parle de certaines ethnies. Sometimes they talk about certain. Ces ethnies là aiment pas là. Language they say they like trouble. Mais une fois que tu rentres dans l'église, as you enter in the church, ce n'est plus ton ethnie qui te domine. It's no more your language. Parce que tu as reçu maintenant une nouvelle identité. You receive a new identity. Tu es dans le ciel. From heaven. Pour toi. Heard for you. Gloire à Dieu. Glory be to God. Regardez encore quelque chose. Look at something again. De la manière que Jésus a donné, the same way Jesus gave, c'est comme cela que Dieu lui a donné aussi. The same way God gave too. Aujourd'hui où il est assis là, today where he's sitting down, la place qu'il occupe là, the place he's bearing, personne, nobody, dans le ciel, in heaven, sur la terre, on earth, et même en bas de la terre, even on the ne peut occuper cette place là, take this position. Parce que de la manière qu'il est aimé là. Avant lui, before him, personne n'a aimé comme nobody ça. Nobody can love so. Gloire à Dieu. Glory be to God. Il y a des places qui sont là. Some places are there. Mais si tu veux que Dieu te donne une if place, if you want God to give you a place to, tu restes l'amour avec lui. Remain love. Si l'amour est là, if love dans ton cœur, in your heart, il y a des choses, there are things que Dieu va te donner. God will give you. Qui ne va jamais donner à ton voisin. He will never give to your neighbor. Alléluia. Amen. Parce que ce que toi tu fais là, because what you ton are voisin doing, n'est pas prêt pour le faire. Your neighbor is not ready to do it. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc avant d'arriver, so before au partage, reaching to sharing, peut-être de nourriture ou bien de of food or bien, I don't know goods. Il faut que ton âme d'abord se soit concernée. Your soul has to be concerned. Gloire à Dieu. Glory be to God. Il faut que ton âme, your soul, has to be concerned. Et vous allez voir des choses extraordinaires. And you see wonderful things in your life. L'amour va guérir des maladies. Love will bring sickness in you. L'amour va résoudre beaucoup de problèmes. Love will settle a lot of problems in you. Celui qui va se lever contre toi, the one will rise up against you. À cause de cet amour, sera because of this love, will go down. Alors que tu n'as pas forcément balancé les mains dans tous les sens, tu as éliminé les démons. Mais il y a un simple truc en toi qu'on appelle l'amour. C'est ça qui les a dérangés. Gloire à Dieu. Amen. Donc la question c'est est-ce que so the question is, aujourd'hui, do today, tu es prêt are you ready à accepter to accept on te marche dessus. The step on you. Amen. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Nous sommes dans l'église. We are in the church. Mais je vous dis que dans quelques heures, on va sortir de cette you, salle. A few times we are going on ne va pas rester dans cette salle indéfiniment. We are not going to stay in this place. On va sortir de cette salle après bientôt. We are going to come out from this place. Chacun va se retrouver sur son propre terrain. You will find yourself on your own land. Et peut-être que l'ennemi va mettre quelqu'un sur ta route. Maybe somebody the enemy will put on your way. Pour voir. To see. Si ton amen de tout à l'heure. Amen. Just ran out. Aura la même intensité. To have the same sound. Que ton amen de dehors. To the amen outside. Gloire à Dieu. Glory be to God. On va vérifier. We are going to confirm it. Vous savez, l'amour ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Do you know love is not looking to do harm to somebody? Donc si quelqu'un te dit qu'il n'aime pas les murmures, if somebody don't like murmuring, ne pas les murmures, don't murmur. Parce que l'amour ne cherche pas à faire du mal. Because love is not looking for bad things. Gloire à Dieu. Amen. Alors si vous arrivez à la maison, if you reach home, je voudrais que I want you to. Du moins Dieu voudrait que God wants you si to. Si cet amour là nous a pénétré ce matin, penetrates you this morning, tu appelles ton frère. You call your brother. Tu appelles ta sœur. You call your sister. Et réconciliez-vous. And make peace. Ça fait 10 ans que tu ne parles pas avec elle. 10 years you are not speaking with her. Tout au-delà même de 10 ans. Some above 10 years. Aujourd'hui, il faut régler le problème. Today settle the problem. Alléluia. Amen. Ça peut être ta maman. Can be your mother. Ça peut être ton papa. Can be your ça peut être ton frère. Can be your ça peut brother. Être quelqu'un ici. Somebody here. Avec qui tu n'as pas envie de t'asseoir sur le même banc. You don't want to sit on the same bench. Aujourd'hui, il faut régler le problème. Today settle the problem. On t'a dit que tes enfants sont dans la sorcellerie. They say your children are in witchcraft. Tu as pris automatiquement position contre eux. You take position against them. Aujourd'hui, mets l'amour devant. Today put love first. Ça va faciliter les choses. It will make things easy. Alléluia. Amen.
Donc apprêtez-vous, so parce que je sens que dans la semaine, ils vont marcher sur votre pied. Because I know during the week they will step upon you. Dans la semaine, je sens que ils vont gifler sur la joue droite ou la joue gauche. They will slap your right or left cheeks. Je sens qu'ils vont cracher sur vous la semaine. I think they will step upon you. Les gens même qui écoutent le même message que vous font faire ça aussi. The same message will do the same to you. Donc apprêtez-vous. So get ready. Et faites comme Jésus. And do like Jesus. Et vous allez vous asseoir là où Jésus s'est assis. And you will sit down where Jesus is. Pour finir. To finish. Rappelez-vous une seule chose. Remind one thing. C'est que quand tu aimes comme tu aimes. When you love like God love. Ton ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Your enemy don't have power upon you. Ça, il faut que ça soit dans votre esprit. So you have to get it in your mind. Quand tu aimes comme Dieu aime. When you love like God love. Il peut se mettre en 5-5. They can be in 5. 10-10. 10-10. Et puis toi, tu es seul. And you are alone. Mais derrière toi. But behind you. Il y a un homme qui est là. A man there. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. Because love of God in you. Gloire à Dieu. Glory be to God. Que Dieu te bénisse. Amen. God bless you this morning. Accepte aujourd'hui cet amour. Accept today the love. Et partage-le avec tout le monde. And share it with everybody. Et réconcilie-toi avec tout le monde. And make peace with everybody. Au nom de Jésus. In Jesus' name. We love, we pray, 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 we pray
30 questionnaires.
Le mois fait 30 jours. The month making 30 vous avez 30 questions. You have 30 questions. Vous allez voir ce que j'ai. La seconde. The third one. C'est celle qui chasse les sorciers du village. It chases the wizard of the village. Those are 20 minutes of so that. In 20 minutes time, on va tout vous donner. We are going to share it to you. Mais une seule condition. Only one condition. Que Dieu vous bénisse. On va partir avec une autre série de questions. Ce sont des questions bibliques, entièrement bibliques. Donc on attend aussi des réponses bibliques. Voilà, pas des réponses que j'ai appris, qu'il se paraît qu'on dit qu'il faut donner des réponses bibliques. C'est en même temps des questions qui sont telles à terre, puis très simples. Voilà, donc on a besoin aussi de réponses simples, à part juste quelques petites questions pour nous faire transpirer un peu. Parce que je pense que dans les éléments qui sont, il y a des éléments qui sont aussi importants. Donc la première question, je vous demande, qu'est-ce que la charité? Puisque aujourd'hui nous parlons de charité, nous parlons d'amour. Ne dites pas que la charité c'est l'amour. Si tu dis charité c'est l'amour, il y a demain l'amour c'est quoi? Donc voici la première question. Qu'est-ce que la charité ou qu'est-ce que l'amour? Voilà, quelle définition? Et je pense que si vous avez bien écouté le message tout à l'heure, vous allez donner une bonne proposition de réponse. Donc, qu'est-ce que l'amour, la charité? Je ne sais pas comment on va procéder, si chacun va lever la main et puis on va donner le micro à une personne. Si je m'en tiens au message de ce matin, l'amour c'est simplement donner à son prochain sans attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Je pense que c'est une bonne réponse. Madame, viens, fais ton choix. L'amour, c'est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien, à faire le bien à autrui. C'est donc un acte inspiré par l'amour du prochain. Voilà. Deuxième question. Il y a des questions que j'ai dû enlever. Ça serait ceux d'en haut parce qu'il y a tout à fait. Mais ils n'ont pas la réponse. Bon, je vais donner plus si quelqu'un peut répondre en haut là-bas. Oui, donc, la deuxième question, oui. La deuxième question, c'est donner les caractéristiques de l'amour. Ça, c'est en haut. Les caractéristiques de l'amour, c'est-à-dire comment on va reconnaître quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui. En haut. Oui, ok. Donc les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour sont l'amour pardonne tout. L'amour ne fait pas de mal. L'amour, en tout cas l'amour englobe tout. Il faut dire le tout là, parce que si quelqu'un d'autre répond avec tout, je pense qu'on va lui donner la meilleure note. Hein. Allô? Donc elle a cité, pardonne tout. Une deuxième personne. Oui. Les caractéristiques de l'amour sont amour par admiration. Allô? Amour par admiration, amour par affection et... On peut avoir une référence biblique. Amen. Amen. Voilà, voici comment on va procéder. Hein. Vous pouvez être plusieurs personnes à répondre à la même question. Celui qui va donner une réponse pertinente, ça lui contente mieux. Donc, les deux n'ont qu'à reprendre. Voilà, donc. Allô? Oui. La première n'a qu'à bien reprendre. Elle n'a bien reprendre, ok. Voici les caractéristiques de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour couvre
couvre tout. D'accord. Merci. C'est suffisant, mais c'est pas tout, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Bon, voilà, saluer. Pour la fin de Sénatou, elle a pris son compte de la dame en haut. Ah, oui. Voilà. L'amour est patient, plein de bonté, donc la bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit de. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Enfin, l'amour ne périt jamais. Amen. C'est vous qui avez répondu. Faites vos choix, il y a l'eau, il y a Tchèque Sadi, il y a le parfum, voilà. Le parfum, quand même. Troisième question, voir le chrétien en société. Comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs, mais on prend la réponse la plus pertinente. Hein. Oui. Le chrétien en société doit être exemplaire. Le chrétien en société doit refléter l'image du Christ. Le chrétien en société doit donner envie d'être chrétien. Et le chrétien en société doit partager. Okay. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et ça, c'est qui? Je suis au parfum. Que l'église ne sauve pas, comment, pourquoi vient-on à l'église? Quelle explication pouvez-vous donner? Pourquoi vient-on à l'église? Pourquoi vient-on à l'église? Oui, il y a quelqu'un qui veut répondre. En haut, il y a quelqu'un là-bas? Oui, il y a l'église pour transformer ta vie. Ta manière de vivre, être en harmonie avec les gens, montrer que Dieu te peut agir. Bon, on voudrait encore une autre proposition de réponse. Une autre personne. Encore une autre personne. Il faut bien répondre à la question. Bien. Pourquoi vient-on à l'église? Oui, alors. Oui. On vient à l'église pour avoir le salut. D'accord. Et la vie éternelle. Mais comment ce salut on l'obtient? En obéissant la voix de Dieu. D'accord. Donc, en un mot, l'église est le rapprochement entre Dieu et nous. Ok, c'est une bonne réponse. On salue le Seigneur. Il faut la faire descendre à nous. Oui, ça va descendre. Voilà, la cinquième question, c'est la salle. Donc, pendant qu'elle a. Oui. On va poser la cinquième question. Quel est le plus grand commandement de Dieu? Quel est le plus grand commandement de Dieu avec référence biblique à la vie? Aime ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est pas compris. Écoute Dieu, écoute Israël, ton Dieu. Reprenez. Oui, allô? Israël, ton Dieu. Oui, on a. Non, c'est pas compris. Une réponse ici. Non, nous sommes ici d'abord. On est ici d'abord. Ok. On va te rappeler. Okay. C'est pas, la réponse n'est pas complète. Plus grand commandement. Dans la Bible, c'est d'aimer son Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et...
sait aimer son Dieu. Oui, référence biblique maintenant. C'est tiré d'où? Où c'est tiré? Donc, il y a quelqu'un qui va. Regardez. Vous n'avez pas de référence biblique? Mais non. Je sais où c'est dans la Bible, mais je sais où c'est. Dieu est. Tu aimeras Dieu plus que toi-même et ton prochain comme toi-même. C'est un peu oui. Enfant de Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que le Seigneur. Oui. Non. C'est pas oublié. Derrière. C'est avec référence biblique. Alléluia, c'est une entrée, je vais l'inventer pour elle. What is the greatest commandment in the Bible? And can you mention it? You love each other, you give love to everyone. Love your neighbor, love your friends. Tu aimeras ton prochain de tout ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Le plus grand commandement. Le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Matthieu 22, 36. Oui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Matthieu 22, verset 36. Je pense que la maman était juste à côté, mais là. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Matthieu 22, 36. Est-ce qu'on a l'esprit du temps? Bon, je lis pour vous. Allons-y, Matthieu, c'était Matthieu 22. Je commence même par 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22, verset 36 à 38. On salue le Seigneur. Alléluia. Je vais donner ça à une maman qui ne sait pas lire. Elle est une maman qui ne sait pas lire ici, mais qui sait manger. Ok, la question est. Apprenez-moi. Quel est le premier miracle opéré par Jésus? Le miracle de Jésus, oui. C'est passé à un mariage où il a transformé de l'eau au vin. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. On a salué quelques saints. À nous, tu montes encore plus haut. Quel Dieu se donne dans l'eau? Je passe à la question 10. Combien de livres compte le Nouveau Testament? Oui, tu prends quoi? Ok. On n'interroge pas la même personne deux fois. Hein. Oui. On permet à tout le monde d'avoir quelque chose. Donc, quel est le... Combien de livres compte le Nouveau Testament? Oui, la maman derrière à le micro. 27. On va faire comme à l'école primaire. Le Nouveau Testament compte 27 livres. Ok, sois béni ma fille. Viens prendre ton lot. C'est le premier livre du Nouveau Testament et quel est le dernier livre du Nouveau Testament toujours? En haut. Derrière, ils n'ont pas bien entendu la question.
Reprends la question. Donc, donnez le nom, question 11, donnez le nom du livre par lequel commence le Nouveau Testament et le nom par celui par lequel il se termine. Il commence par quoi, il finit par quoi? Le premier livre, c'est... Du Nouveau Testament commence par Matthieu. Et il finit? Et finit par Apocalypse. Apocalypse, merci. Ok, ça marche. Viens prendre l'eau. Combien de livres Moïse a-t-il écrit? Citez-les. Combien de livres Moïse a-t-il écrit? Citez-les. Non, pas pour toi, pour la Bible. Pour la Bible. Faut pas te tromper. Non. Moïse a écrit 4 livres. Non, c'est pas la bonne réponse. Moïse a écrit 5 livres. Vous pouvez les citer. Genèse. Oui. Exode. Lévitique. Donc. Deutéronome. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, on a encore le Seigneur pour vous. Fais ton choix, tu es là. Du chrétien sur la terre. Quelle est la mission du chrétien sur la terre? La mission du chrétien sur la terre, c'est annoncer la bonne nouvelle. Plus précisément, évangéliser. Ça va produire quel résultat? Amener les gens au ciel. Amener les âmes à Dieu. Donc, en un mot, fait des nations des disciples. C'est une bonne réponse. On salue le Seigneur. Pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? Pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? 17. Oui. Aimer nos ennemis pour qu'on puisse avoir la victoire sur nos ennemis. Parce que c'est ce que dit le commandement de Dieu. Non, ça veut rien, c'est pas compliqué. Aimer notre prochain comme soi-même. Pas les ennemis sont nos prochains, ils sont nos semblables. Donc il faut les aimer. Il faut les aimer. Et ça va donner quel résultat? L'amour. Oui, l'amour. L'amour du prochain. Oui. Mais il y a quelque chose qui va donner comme enseignement de pourquoi il faut les aimer. Ebenezer. Oui, vas-y. Quelque chose qu'il a souligné, quand on te gifle sur la joue gauche. Bravo, ma fille. Je précise la question. Moi, je vous pose la question. Pourquoi Dieu dit d'aimer ses ennemis? Ne me dites pas, on doit aimer les ennemis parce que Dieu a dit de les aimer. Mais c'est comme si vous avez renversé la question là pour donner une réponse. Pourquoi il faut les aimer? Allez-y, il y a quelqu'un qui a dit. Nous devons aimer nos ennemis parce que, en les aimant, c'est comme des charbons ardents que nous mettons sur les têtes. C'est tout. On se le Seigneur pour lui. Viens prendre l'eau. Que signifie Christ et que signifie Rabbi? Que signifie Christ? Christ, ça veut dire. Ça, c'est là-haut. Que signifie Christ et que signifie Rabbi? Que signifie Rabbi? Oui. Rabbi signifie mon père. Hein? Quoi?
C'est pas l'expression qui a été utilisée. Non, je suis là-haut. Allez, vous cherchez encore. Réponds la question. Que signifie Christ? Chrétien, rabbi, Christ, maître. Non, attends d'abord. Que signifie Christ? Que signifie rabbi? Allons dire quoi là-bas? Christ veut dire quoi? Christ veut dire chrétien. Non. Oh, monsieur Alou. Mauvaise réponse. Réponds à la question. Adou, s'il n'a pas de question. Adou, change. On prend deux personnes. Une deuxième personne est là. On veut une personne pour donner la réponse de Christ. Réponds la question. Que signifie Christ? Que signifie Rabbi? Christ, c'est lui qui s'est crucifié, tu es. Sur la croix. On cherche encore, il y a quelqu'un ici qui connaît. Christ signifie le sauveur et Rabbi signifie le maître. Non. C'est pas quoi ça, nous. Cherche encore. Réponds la question. Que signifie Christ? Que signifie Rabbi? Allô, il y a personne? Christ est le Seigneur et Rabbi c'est le maître. Christ signifie Jésus le Sauveur et Rabbi le maître. Bon, si c'est un truc pas là-bas, on va venir sur l'estrade ici. Oui, allons-y. Qui signifie Dieu? Qui signifie Christ? Qui signifie Rabbi? Christ veut dire enfant de Dieu. Non, ça passe pas. Allez, il y en a encore? Non, c'est là-haut d'abord. Oui, il y a une réponse. Oui, allez-y. Seigneur, et puis. Reprends. Le maître, le Seigneur, le maître. Non. Christ signifie le maître, qui signifie le Seigneur, et Rabbi, c'est le maître. Christ et Messie, ce sont des mots. Non, mais Messie n'est pas la réponse. Parce que Christ et Messie disent la même chose, c'est le mot en hébreu, qui veut dire point. Et Rabbi qui veut dire Christ veut dire quoi? Point de Dieu. De Dieu. Donc Christ, ça veut dire le point de Dieu. Et Rabbi qui veut dire maître. La femme qui n'est pas dans l'école, qui a une Bible. Femme qui n'a pas fait école. Qui n'est pas lui. Pourquoi Jésus pleura-t-il devant le tombeau de Lazare? Pourquoi Jésus pleura-t-il devant le tombeau de Lazare? Parce qu'il avait mal au cœur. Il avait mal parce que Marie n'avait pas confiance en lui. C'est pas complètement. Christ a pleuré parce que les disciples n'avaient pas, non pas les disciples, les parents de Jésus et les amis n'avaient pas la foi de ce que Lazare pouvait ressusciter. C'est une bonne proposition de réponse. Et la deuxième, il y a une deuxième aussi qui est juste à côté. Il a pleuré parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Merci. On s'en est sur le Ok. Wow. Question suivante. Faut dans le numéro 20e. Non, 20 maintenant. Oui. Quelles sont les fêtes de la Bible que vous connaissez? Citez au moins 3.
citer au moins. Ça, c'est là-haut, 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 là-haut. Les fêtes de la Bible que vous connaissez, citez au moins trois. S'il y a quelqu'un qui peut citer plus, il y aura le cadeau. Donc, ça, en haut, là-haut. Oui, il y a une intervention ici, en haut de là-haut. Oui, allons-y. Quelles sont les fêtes de la Bible que vous connaissez? Citez au moins trois fêtes. Ok, nous avons la fête, la Pentecôte. Oui. La Toussaint. La quoi? La Toussaint, la Bible. Si tu veux la Toussaint, tu veux la référence. Quelles sont les fêtes de la Bible que vous connaissez, citez au moins trois? Oui. La voix la Pâque. Oui. La voix de Pâque. Mm-hmm. Et la Toussaint. Non, quelles sont les fêtes de la Bible que vous connaissez, citez au moins trois? Allô? Oui. Elle n'a qu'à reprendre. Allô, allô? 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 Oui, allons-y. Je vous pose la Pâque. La Pâque. La Pentecôte. Oui. Et puis la Noël. Non. Allez, cherche encore. La Bible sort. La Pentecôte. Mm-hmm. La Pâque. La fête des pains sans levain. Mais les pains sans levain, là, je pense que c'est la Pâque. C'est la Pâque toujours. Faut encore réfléchir un peu. Proposition. Oui, allons-y. Allons-y. Bon, il y a fête. La fête de la Pâque. Pentecôte. Il y a la moisson aussi. Non. La fête de la Bible que vous connaissez, citez au moins trois. La Pâque. L'Assomption. Non. Oui, il y a également des gens dans la salle, oui. La fête de la Bible, la Pentecôte. La Pentecôte, la Pâque. Les noces de Cana. Non, c'est Cana. Non. Quoi, tout à l'heure, Andou, c'est pas ça. Andou, c'est. Allez, pas la photo. Comment t'as été gagné? La fête des rameaux. Non. La Pâque, la Pentecôte et l'Épiphanie. Vous avez déjà dit Pentecôte. Je veux quelqu'un qui ne va pas répéter encore Pâque et qui ne va pas répéter Pentecôte. Dans la Bible, il y a une fête connue. Ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire la fête des tentes. Pour se souvenir de la sortie des Christophe. Ça, c'est le chance. La fête des tentes, oui. La fête des tabernacles, effectivement. On s'en le Seigneur pour lui. Wow. Question suivante. Pourquoi, on a dit pourquoi la Pâque, mais je vais simplifier. Pourquoi célèbre-t-on la Pâque? La Pâque, pourquoi on la célèbre? Au temps de Moïse, ils ont célébré la Pâque. Avec Jésus, on a célébré. Et aujourd'hui, on continue de célébrer. Pourquoi? On va essayer là-haut. Pourquoi célèbre-t-on la Pâque? Pourquoi célèbre-t-on la Pâque? Oui. Pourquoi célèbre-t-on la Pâque? Je vais en haut d'en haut. Donc, pendant qu'il va, celui qui a dit la fête de la moisson. On en voit effectivement okay, tout ce qu'on a consommé. Oui. On célèbre la Pâque pour toujours se rappeler la chose, la mort de Jésus. Non, je ne sais pas. Parce qu'au temps de Moïse, il n'y a pas Jésus qui était mort. Oui, vous venez? Non. C'est une fête qui a commencé depuis Moïse. Depuis Moïse. Oui, donc on ne parlait pas de quoi, c'est longtemps. Allô? Oui, allons-y. Parce que c'est la résurrection de Jésus. En poursuit à nous, c'est pas ça? Oui, vous êtes juste à côté. On célèbre la Pâque, la délivrance
du peuple d'Israël. Wow. Oui. À combien de démons? Ça c'est pour la salle. Oui, à combien de démons est égal l'expression que le nom Légion? Jésus a posé la question à quelqu'un dans la Bible, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. Donc le plusieurs, ça fait combien de démons? En semaine, j'ai dit ça à ceux qui étaient là une fois en semaine. Si tu te rappelles, j'ai dit en semaine. Qui veut prendre le micro? C'est normal. C'est encore pour toi. C'est encore pour toi. La photo. Estimé à 10 000. Non. Combien? T'es sûr que c'est 6 000? Oui. Réfléchis encore. Calcule encore. 6 000. C'est une bonne réponse. Oh, bien. 6 000 démons pour ces personnes. Tu prends quoi? C'est Michel. Donc là, tu fais. Attention. 24 maintenant. Il va rester combien? 6. 6, c'est plus en plus. Quel est le verset le plus court de la Bible? Donnez la référence. Ça c'est en haut. Oui, c'est au milieu, il y a quelqu'un, il donne le numéro de téléphone. Oui, il prend la question. Oui. Quel est le verset le plus court de la Bible? Le plus court, c'est Jésus-Christ là. Référence biblique? Non, il n'y a pas. Ah. Qu'est-ce qu'il faut? Ici, j'ai mis donner la référence biblique. Donc, il faut donner la référence. Le verset le plus court de la Bible. Oui. Plus la référence. Plus la référence. Plus la référence biblique. Jésus pleura. Je ne sais pas où il est, je ne connais pas. Je ne sais pas où il est. Verset combien? Bon, allons-y. C'est Jean 11, verset 35. Voilà. Bon, verset ton nom. Citer 5 noms de Dieu dans la Bible. Ça, c'est 5 noms de Dieu dans la Bible. 5 noms de Dieu dans la Bible. 5 noms de Dieu dans la Bible. Si tu connais 5 noms, tu prends le micro et tu nous donnes les 5 noms. Si tu connais 2, c'est pas la peine. On va gagner en temps. 5 noms de Dieu dans la Bible. 5 noms de Dieu. Il y a une main ici. Il y a une main ici. Elohim, Esgor, Palavi, Elohim, Esgor. On n'a pas de gagnant, ouais. Esgor, la gamme. C'est plus la définition. Non, c'est bon, aussi. Esgor. Il y a Adonai. Il y a Yahvé, il y a El Shaddai, il y a Emmanuel, Emmanuel, tu as dit. Non, on dit le nom. Ben Chizedek. El Shaddai, El Nissi.
n'y a pas pour lui. Il reste deux seulement. Adonai. Il reste deux. Inch'Allah. Adonai et Shaddai. Ce sont les différents noms, mais il n'y a pas Inch'Allah dedans. Inch'Allah, il prend une place, c'est tout là. Bon, ma prochaine question, combien? Bon, ça, il sent qu'ils vont plus trouver. Question piège, comment on écrit Saint-Esprit? Question piège. Comment on écrit Saint-Esprit? Oui, la question est destinée en haut. Comment on écrit Saint-Esprit? Comment? En écrit Saint-Esprit. Je dis en même temps que oui. C'est une question piège, donc il faut que la personne. Comment on écrit Saint-Esprit? S-P. Ce n'est pas ça. S-A. Ce n'est pas ça. Non, on ne peut pas continuer même. Comment on écrit Saint-Esprit? Mais je dis c'est une question piège. Non, non, non. Ah, donc il faut faire le faire. Oui. Attendez, attendez. Non, c'est bon. S majuscule. Merci. A. S majuscule. Et comment on écrit esprit? E majuscule. E majuscule. C'est ce que je voulais. Quel apôtre de Jésus fut mordu par un serpent? Quel apôtre de Jésus fut mordu par un serpent? Il y a un homme qui est là. Oh, là-haut, 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 là-haut. Quel apôtre de Jésus fut mordu par un serpent? Oui, je suis en haut, là-haut. Tu as sauvé la question? Quel élément de réponse? Oui. C'est la faute. Merci, c'est la faute. Ok, c'est gagné. Tu réponds sur l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Une autre question, à part ce qu'on a déjà. En quelle langue principalement l'Ancien Testament a-t-il été écrit? En quelle langue principalement l'Ancien Testament a-t-il été écrit? Oui. In Hebrew language. Oui, mais il y a une autre langue aussi qui est juste à côté. Il y a l'hébreu et puis il y a... Donne-le une autre en grec. Grec. Non. En latin. Non. Déjà.
Première langue. En hébreu. Oui. Deuxième. En grec. En grec, merci. Deux dernières questions pour finir. Quel apôtre de Jésus fut collecteur d'impôts? Quel apôtre de Jésus fut collecteur d'impôts? L'apôtre qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, c'est... Non, c'est pas Jean. Non, c'est pas Matthieu. Il a écrit quoi et quoi? Quelles sont les lignes de l'apôtre Paul que tu connais? Éphésiens, Philippiens. Éphésiens. Philippiens. Oui. Corinthiens. Corinthiens. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont 27 livres. Tu n'as cité que 3. C'est pas possible. Éphésiens, Philippiens, Corinthiens, Thessaloniciens, Timothée, et puis. Des apôtres, qui a écrit encore Romain. Il a écrit Romain, Galates, Romain, Galatien, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, Hébreux, on ne sait pas comment il a écrit Hébreux, mais les gens disent que c'est l'apôtre Paul. Ça, on n'a pas confirmé. Pourquoi, pour finir, on a commencé par l'amour, on finit par l'amour. Pourquoi Dieu, question 30, Dieu nous demande-t-il de nous aimer les uns les autres? Là où d'abord? On veut une réponse vraiment solide. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous aimer les uns les autres? Oui, je suis en haut d'abord. Oui, c'est la dernière question. Oui, tu te prépares la question. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous aimer les uns les autres? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous aimer les uns les autres? Parce que dans le Matthieu, dans le Jean 3,7, Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a dit que c'est bien. Donc en fonction de cela, il dit ça. Bon, je pense qu'on peut trouver encore une réponse plus pertinente encore. Oui, une autre réponse. Oui. Pourquoi il nous demande de nous aimer les uns les autres? Il nous a dit de nous aimer les uns les autres, de nous aimer. Ça, c'est une proposition de parce qu'il nous a aimé ensuite. Ensuite. Donc, parce qu'il nous a créé à son image. Donc, on doit s'aimer. C'est encore solide, mais si on a une position de réponse. Qui de façon. Dieu nous a demandé de nous aimer les autres parce que lui-même, il est amour. Il est amour, oui. Ensuite. Dieu nous demande de nous aimer les uns aux autres parce qu'il veut que. Il règne sur la terre l'amour. Oui, il faut qu'il règne l'amour sur la terre. Mais donner un gros, un ensemble en même temps solide et plus bon. Oui. Dieu nous dit de nous aimer sur la terre parce que nous sommes des frères et des sœurs.
On descend dans la salle. Ici. Oui, on oui. Dieu nous a demandé. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous aimer les uns les autres? L'amour que il a pour nous, il veut que cet amour-là nous partageons ça entre nous. Ça c'est un. Ensuite, c'est fini. C'est fini. Au moins trois raisons. Parce que l'amour supporte tout. Oui. L'amour est patient. Voilà, je suis entré dans les caractéristiques maintenant de l'amour. Voilà, on a déjà évoqué ce point, les caractéristiques de l'amour. L'amour accepte tout. Mm-hmm. Et c'est seul l'amour qui peut tout. C'est seul l'amour. Ça, c'est une proposition de réponse. Donc, finis, je réponds à la question. Dieu est amour, effectivement. Donc, il faut qu'on s'aime. C'est une proposition de réponse. Deuxième proposition de réponse. Allons-y. Amen. C'est une très bonne proposition de réponse. On t'a dit tu es amour, l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant pour t'aider, avec l'amour tout devient possible. Pour aller encore plus loin, l'amour permet à la société de vivre en paix. Si on va encore plus loin, je suis là, je ne suis pas en paix avec moi-même. Si tu m'as dit un mot, c'est 20 et t'es toi. J'ai dérangé, je saute, j'ai fait du bruit même. Tout ça, c'était pas simple. Mais c'est le démon qui me fatiguait là. Quand il a pris l'avion pour venir à Paris, là. Démon, là, il est resté à Abidjan. Je vous remercie. Tout ce que je faisais là, c'est pas parce que je vais déranger les gens, c'est pas parce que je suis comme ça, je suis comme ci, mais c'est le petit démon qui est en moi là. C'est lui qui fait ça, pour que je dérange les gens, pour que j'emmène tous les gens, pour que je distraite les gens. Mais aujourd'hui, à Paris ici là, plus calme que moi, il n'y en a pas. Les gens, même ces démons, même si je parle, c'est que je parle quand il faut. C'est-à-dire, le Dieu ne peut pas fleurir, on m'a lavé à Pigeon là-bas, et puis mon mini ici. Mon type là, même là, il n'est rien comme ça, il dit, hop! Oh, femme là parle pas, hein. Il dit d'accord. Il dit Dieu merci. Ce que Dieu a fait, femme là est devenue. Il dit merci. Donc, vraiment, je dis merci au Dieu du papa. Parce que quand il a fait la prière ici, j'étais tellement concentré. Je savais ce que je voulais. Et ça a donné quelque chose. Aujourd'hui là, je suis dans mon foyer. Je suis là, tranquille, en paix. Et mon cœur est devenu tranquille. Abidjan, j'étais stressée, j'arrive au chemin du ciel, je suis pressée, je suis là, je ne sais pas même. On dit une parole, je dis deux, on dit deux, il dit trois, on dit trois, il dit quatre. C'est quand j'arrive à la maison, je me rends compte que je suis partie à l'église même, je ne sais pas ce qui s'est arrivé là. Ici là, franchement, après la prière du papa là, ce démon là, je ne crois plus qu'il soit en moi. Parce que j'ai la paix du cœur, je suis tranquille, je suis en paix avec moi-même. Et vraiment, je dis merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là, à Dieu qui a envoyé Papa Florian sur cette terre-là. Vraiment pour nous délivrer. Sinon, je ne pense pas que j'allais être ici. Non seulement ça, mon voyage a été facile. J'ai eu le visa 3 mois, un coup comme ça. Et j'arrive, même pas un mois. J'ai mari, j'ai maison. C'est le Dieu de Papa Florian qui fait tout ça. Donc vraiment, les mots me manquent pour témoigner sa grandeur. Les mots me manquent. C'est pour ça que quand tu me vois sauter, danser là, c'est vrai, il y a des mois en moi. Mais souvent, je suis dans la joie pour ce que le Dieu de Papa Florian fait dans ma vie. C'est beaucoup de témoignages. Mon témoignage est grand. Mais ici là, ça assume. Ce matin, parce que j'ai été victime d'un accident vraiment miraculeux. Si ce n'est pas le Dieu de Papa, vraiment, ce n'était pas possible. Il y a un dîner qui est venu vers moi, par derrière. Et moi, j'étais pas sur la route. Il est venu à ma charrière et il a failli, avant qu'il n'arrive à mon niveau, c'est comme si on m'a tiré par le bras, par l'épaule. Je suis tombé sur l'épaule de l'autre côté, arrivé derrière moi. Mais il ne m'a pas touché.
Donc j'ai essayé de me lever, je ne pouvais pas, on m'a fait lever, mais on allait faire la radio, le pôle était déboîté. Et je suis venue ici voir papa, il m'a donné le sang de Jésus que j'ai commencé à appliquer, et dans la semaine, on a essayé de masser, le pôle est rentré. Donc je suis venue vraiment lui dire merci, parce que vraiment l'accident de la moment, je ne comprends pas, mais c'est après quand j'ai vu où la voiture était, vraiment, j'ai coulé des larmes parce que ce n'était pas le Dieu de papa, sincèrement, ce jour-là, le type me marchait dessus. Donc, je rends gloire à Dieu et que je dis à toute la famille de chemin de ciel de continuer à prier pour moi, pour que l'épaule vraiment se cicatrise. Sinon, vraiment, ce qu'ils ont voulu faire ce jour-là, Dieu a prié et je rejette tout ça vers eux. Parce que depuis que je suis au chemin du ciel et que je suis avec papa, j'ai perdu mon mari, je vis ici, je viens prier, je suis tranquille. Ce qu'ils ont voulu préparer, retour à l'envoyeur. Non, Dieu, papa. Amen. Just to thank the Lord. She had an accident. The shoulder came out. And by God's grace, God has do her, she escaped the accident. And today she come and give glory to God for what he has done in her life. The shoulder came inside by God's grace, through God of that victory. Only trust him. Hallelujah. Elle était très, 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 très malade. Elle dit à travers sa maladie, elle lui est venue pour confesser devant Dieu. Parce que vraiment, elle est passée partout. Elle est allée chez les gens dans le bois sacré, chez des ministères, un peu partout. Elle n'a pas pu avoir la solution. Et une de ses tantes l'a parlé de papa Florian. Et quand elle est venue chez papa Florian, elle a mis sa foi au Dieu de papa Florian. Tous les éléments qu'elle a pu prendre ici, elle a appliqué avec foi. Et à travers le Dieu de Papa Florian, elle a retrouvé sa guérison, une guérison totale. C'est pour cela aujourd'hui, elle est venue pour dire merci à ce Dieu-là qui lui a donné la guérison. Ici, elle a eu, depuis qu'elle est arrivée, elle a la paix du cœur. Elle a la paix du cœur. Vraiment, Dieu est véritablement ici. Elle encourage tout le monde de vraiment s'attacher à ce Dieu-là parce que c'est un Dieu qui agit efficacement. Ce qu'il a commencé, il termine véritablement l'aime. Afin qu'elle puisse se retrouver à vie. This morning you were sick, was serious physique, and by God's grace, by using the elements here, she's totally healed. You can see her, no sickness in her. Come and thank God of that Victorian for what he has done in her life. He can do for you too. If you are sick, just call us and you will have your solution. Amen. Au nom de Jésus, je veux vous dire que si vous êtes au chemin du ciel, même si vous avez fait 10 ans, qu'il n'y a pas de solution, ne vous découragez pas. Alléluia. Faites comme moi, il y a longtemps je suis avec papa, mais aujourd'hui, il m'a béni. Alléluia. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés dans ma vie, mais une année, j'ai passé beaucoup de concours. C'est là. Comme on dit, français, c'est même le show. Vous connaissez le show? Le désordre pour l'être, vous venez me voir. Je dis Dieu, fais grâce. Venez chanter pour Jésus. Et là, l'année là, le temps est libre à 40 ans. Et je crois 200 points, 200 points. C'est ça, non? Et ça nous a poussé maintenant à s'accrocher. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il va sur le mariage. Hein? Ouais. Là, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Bon. Tu bois plus, hein? Non. J'avais passé plusieurs concours. Ah, il y a des lits. Oh, c'est bon, hein. J'étais sur le point d'aboutir. Et puis, bon, la crise est arrivée, ça a tout mélangé. Oui. Donc, franchement, j'étais découragée. J'ai dit, ah. Mais j'ai arrêté les études à cause de ce travail. Et puis, la crise est venue tout mélanger. J'étais un peu découragée, mais avec les yeux de papa Fini, j'ai dit, bon, je vais continuer. Donc, comme ça, je me suis levée, bon, j'ai eu le bac. J'ai fait la première année du BTS. Mais la deuxième année, je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas l'argent. Ok. Je ne peux pas m'asseoir là, ne rien faire. J'ai fait une formation comme ça.
Je me suis levée comme ça, je n'ai rien dit à papa. Je suis partie faire la formation. J'ai fini la formation et c'est quand on m'a donné le stage que je suis venue voir papa pour dire non. Voilà, j'ai fait une formation, on m'a donné un stage. Et le coup, on m'a mené là. C'est pas pour les enfants. Ah, formation qualifiée, c'est même pas BTS. On m'envoie dans un endroit où là-bas, là, c'est le boss, les grands du pays. Et bon, ok, c'est la vie qui est fort. Quand j'ai fait le stage, 2 mois, à l'université, on m'a dit non. C'est trop loin, et puis c'est cher, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas l'argent, bon, c'est bon. Moi, j'arrête le stage, donne mon attestation, je passe. Et je viens dormir. Mais je me souviens qu'une fois, ils ont mis, papa a mis 3 paniers ici. Il a mis mariage, santé et puis travail. Quand moi, je suis venue, j'ai mis mon enveloppe dans le travail. Et il y a un frère qui m'a demandé, mais il faut mettre un mariage. J'ai dit, il faut faire quoi le mariage. On cherche un travail, il voulait que les garçons aient fait manier sur nous. Attendez, on travaille d'abord. Confiant, comment aimer mon enveloppe, t'es confiant. Et ça n'a pas. Avant, si on avait un lait spécial. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Et je suis tombée ici. Il a fait ma prière, mais il y a une fois qu'il me disait que moi, je vais faire pour toi. Il était confiant. Donc, mais... attends. Donc, je suis qu'il aurait un lait spécial, ça va passer à 2000. Hein. Donc je dis, ah, d'accord, c'est que ça va combien d'années pour un lait spécial? Moi, il parle pas. Donc il a laissé le stage, il s'est dormi. Il dort, lundi matin, on m'appelle. Allô, il y a un travail, est-ce que tu peux faire? J'ai sauté du lit. J'ai dit, il n'y a même pas de problème, viens, viens. C'est pour quand il dit le plus beau, c'est le mieux, c'est même mes papiers, tout. Il a mis dans la chemise cantonée, je suis partie. Il dit, bon, va dans tel endroit, va trouver le patron même. Avant de partir, mon sang de Jésus, il me dit, bien badigeonné. J'arrive, il prend mon dossier, il regarde, il dit, bon, va t'asseoir à la salle d'attente, on va t'appeler. Il dit, ah, Dieu ne peut pas Florian. Il ne sait pas c'est toi qui m'as mené ici. Oh. Ce que tu veux faire là, il faut faire. Et c'est assis, il est si serein. On m'appelle. On dit non, tu peux commencer quand il dit demain même, si tu veux. Mais on avait un programme ici, hier vendredi, et j'ai dit au monsieur, est-ce que vous pouvez me permettre de ma santé le vendredi? Je vais commencer, mais vous pouvez me permettre ma santé le vendredi. Il n'y a pas de problème. Il dit, hein? Travail, toi, tu viens chercher travail, c'est toi qui te donne permission déjà. Il a accepté, je suis venu, il a fait mon programme. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci. Même si le salaire n'est pas beaucoup. Non! Ah, ça va. C'est pas ça que mon problème. C'est bien que demander l'argent, le mari. Les choses qui viennent travailler. Mariage à sa vie, les garçons vont faire marier sur moi. T'as fini ?